Ça a gagné 4 ans depuis que Compagnie Tesla a annoncé pour sortir un pick-up électrique qui tape super, super, super économique et super performant. Eh bien, après 4 ans, les récits commencent à livrer commande Tesla Cybertruck. Ça n'a pas un secret pour personne. Tesla Cybertruck passe pas dans quelle autre machine, dans quelle autre pick-up qui est sur le marché américain qui est capable de comparer ensemble avec lui. Je ne vais pas dire seulement marché américain, mais marché mondial. Là. Pour commencer, carrosserie machine ça li pa gen peinture sou li, li pa gen peinture. Sou pa konn sa ou konn sa. Li fait en acier inoxydable, li résistant à de l'eau corrosion à long terme. Ça c'est son métal qui est traité pour résister, pour pas rouiller ni pour pas graver. Et gen même quelques calibre balle que li ka bloquer. So, en avance. Machine ça vini en trois versions. Gen une version qui gen un moteur, gen une version qui gen deux moteurs. Il y a une version qui a 3 moteurs. La machine est équipée d'armes de défense contre armes biologiques. On ne peut pas imaginer. La machine est là, fin charge à 100%. En cas où tu as coupé l'électricité la caillou, ou capable de bloquer la caillou sous batterie la machine. Ça va alimenter toute la caillou à courant pour montrer puissance batterie si la batterie. La machine est équipée d'une suspension pneumatique à 4 points. Ça veut dire que chaque caoutchouc, chaque choc machine a une suspension pneumatique qui est adapté à tout type de terrain, tout type de surface, tout type de route. Et machine équipée à un système de vitre qui fait vigne. Vitre ça est les vitres acoustiques. C'est des vitres là en dans machine là, on va attendre rien qui passer dehors. Seul son qui est rentré son klaxon. Et machine équipée d'un système son qui gagne 21 haut-parleurs là-dedans qui parmi eux gagne deux basses. Qui donc ou capable imaginer là dans machine ça. C'est un coup non studio télé. Machine ça a une capacité de remorquage de 4990 kg. Nous mettons 5000 kg. Poids ça équivalent à un poids d'un éléphant. Ça est capable d'imaginer la puissance moteur machine ça. Design intérieur machine ça est fait dans modèle futuriste. Qui donc, l'entrée dedans, c'est un coup tape vivre en 2035. Tellement la machine ça belle. Il y a un écran vertical, un écran central dans machine ça. Qui 19 pouces. Et gagnon l'autre écran qui pas derrière pour passager qui c'est 9.4 pouces. Et machine là équipée de toute dernière technologie ou capable imaginer qui ou capable joindre sur tout nouveau modèle machine récent yo, tant qu'on recharge sans fil, Apple CarPlay, Android Auto, ou joindre tout système ça sous lui qui déjà installé. Et li gagnon filtration HEPA. Système ça c'est un système climatisation qui intègre la machine là qui de qualité médicale. Il permet aussi supprimer 99,97% particules en suspension dans l'air. Machine ça a un toit panoramique qui pas gain aucune autre machine qui sous marché qui gagne pour gens li fait là, pour gens li confectionné. Les sorti depuis dans tête devant chauffeur, rivé derrière pick-up là qui donc tout passager dans machine là gagne trois panoramiques. Système éclairage machine ça est très 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 sophistiqué. Il gagne deux barres lumineuses qui sous tête li, il gagne une qui sous tête li, une qui devant machine. Barre lumineuse ça au ca éclairer jusqu'à 480 mètres de distance. C'est ça qui correspond à un terrain à 5 terrains football. Et machine ça équipé de 4 roues de 22, 24 et 26 pouces. 4 roues ça tous les 4 yon directrice qui donc l'ont viré non coupe. Toutes 4 roues yon viré, c'est pas 2 roues devant seulement qui viré. Machine ça équipé de un système que 4 roues yon directrice. Et j'en note qu'on est déjà machine ça pas un moteur thermique qui donc la place moteur thermique qui devant yon fait le tourner en coffre. Comme ça, on peut mettre jusqu'à un mallette là-dedans, un gros mallette. Les maps disent mallette, les maps disent petit mallette, mais un gros mallette. Et la machine est équipée d'un système caméra 360 degrés qui a environ 9 caméras en total qui sont sur la machine. Ça, qui dans chaque coin, tout en dedans machine là et caméra. Là-dedans, on peut contrôler toute machine là en 360 degrés. La machine est équipée d'un système essuie-glace qui est unique dans le monde là. L'essayons seul. Ouais, toute machine qui a deux essuie-glaces, les mêmes n'y possèdent yon seul. Yon seul, un grand essuie-glace qui a essuyé toute surface par brise. De ou di pick-up, ou di li gen yon espace rangement de elle, ça ou li ben nan. Eh bien, ben sa li gen yon cover sou li qui a supporté yon poids de 300 kg. Ou ka imagine ou, n'importe moun
À sauf si t'as obèse ou essayer monter sous lit, cover qui sous coffre sale, pas crasé. Ça veut dire l'eau fermée, machine vient tourner un SUV. Un bagage ou pas imaginer, même volant machine là, il y a une forme qui sortit de l'ordinaire. Volant machine là différent par rapport à toute l'autre machine qui a même style machine ça qui est sous marché là. On pas dire marché américain là seulement, m'a répété pour nous dans marché mondial là. Elon Musk tellement fier de design machine ça, il pas écrit Tesla dans aucune partie dans machine là. Il juste écrit Cybertruck. Pour quelle raison? Parce que il estimait machine ça son machine qui incomparable pas aucune autre machine qui sous marché américaine là. Non seulement américaine mais dans marché mondial là qui est capable de comparer avec elle ni dans ressemblance ni dans performance. Elon Musk a lancé machine ça en 2019, il était annoncé que qu'il y a possibilité pour capable ajouter une tente derrière machine là qui donc sont en vie à aller dans camping ou capable installer tente ça. Tente ça disponible dans store Tesla qui donc ou capable acheter ou mettre derrière tente ça gain espace pour deux monde capable de fonctionner normalement. Eh bien, j'en ai connu qui mon Elon Musk là. Monsieur pas j'aime faire rien à moitié. J'en ai capable là, monsieur sorti un cyber quad. Ça nous relé moto 4 roues qui électrique. Bot li annonce mais li poko disponible à la vente. Li sorti tout un cyber truck miniature qui donc qui pour ti moun. Li annonce bot li poko disponible à l'achat. J'en ai tout connait déjà prix testa ou pas jam ba. Eh bien, belle machine ça, si on ou ta remè gagne, prix de départ là c'est 60 990 dollars hors taxe pour version qui gagne un moteur. 79 990 dollars pour version 2 moteurs. Et enfin, Cyber Beast 3 moteurs à 99 990 dollars. Mais 100 000 dollars, si on ou ta remè gagne machine si là. Merci, bye bye tout le monde.